quel âge pour penser à nous et à ta vie de femme? J'ai 24 ans. Ça me laisse encore un peu de temps, non? Ce que j'essaie de te dire, c'est que t'as beau te donner à plein de gens, t'es seule. Il y a personne dans ta vie pour s'occuper de toi, pour te protéger, ou même pour te faire l'amour. Qu'est-ce que t'en sais? C'est incroyable, ça. J'ai une tête de mal baiser ou quoi? Oh, pardon, de pas baiser du tout. C'est pas ce que je voulais dire, puis c'est pas la peine de hurler. Hein. Je parle fort parce que t'es sourd. Je peux pas vivre pour un seul homme. J'en nourris 300 tous les jours. Et je vais pas faire un enfant alors que j'essaye d'en faire survivre 110 rien que dans la vallée. Et parce que t'es entouré d'orphelins, tu veux rester comme eux, c'est ça? T'as commencé une psychanalyse pour me sortir des conneries pareilles? Tu peux comprendre que ma vie est dangereuse? S'il vous plaît. Voilà. C'est la maison qui régale. Il y a beaucoup de chocolat sous les amandes. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Mais rien, il te veut rien. Et puis parle moins fort. Putain. Je prendrai pas le risque d'un abandon de plus. J'ai personne, moi, pour me succéder en cas de pépin. Ah, arrête. Arrête de confondre prétexte et excuse. Tu sais très bien qu'en cas de pépin, comme tu dis, moi, je serai toujours là pour toi. Mmh. Parfaitement, je serai toujours là pour toi. Toujours. De toute façon, le problème est pas là. T'as peur de dépendre sentimentalement de quelqu'un comme si ça impliquait de renoncer à ta liberté. Donc, ça n'a rien à voir, t'as rien compris. En plus, je te signale que ma médaille te protège. Hein. T'as envie d'aller te changer aux toilettes? Bon, parle-moi plutôt de ta vie d'homme. Bah, ça va. Je progresse pas mal au sein du studio. On me confie le développement de plusieurs dessins animés, voilà. Sans que ce soit totalement officiel, je suis déjà à la tête d'une petite équipe. Mais surtout... Surtout, il y a ça. Bon, alors, j'espérais que ça cartonnerait en librairie pour en faire un dessin animé. Disons que pour l'instant, ça démarre tranquille. T'as plus qu'à écrire d'autres épisodes? Ah ouais, lesquels? Le retour de Lisa, par exemple? Je sais pas pourquoi, je suis pas très inspiré en ce moment. Ah non, garde-le, c'est pour toi.